Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de homemaking au cours de laquelle je vais passer ma journée avec toi et te montrer les différentes activités que je vais faire dont un retour de course, de la cuisine, de la pâtisserie, un peu de rangement et aussi un peu de DIY. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo te sera utile et qu'elle te plaira et n'hésite pas franchement à laisser un commentaire et à t'abonner pour avoir plus de vidéos de ce type. Alors concrètement, c'est quoi le homemaking? Alors je vais vous lire la définition en fait que j'ai trouvée sur Google. Donc on dit que c'est la création et la gestion d'une maison, notamment comme lieu de vie agréable. Alors si je dois le reformuler avec mes propres mots en fait, je dirais que simplement le homemaking c'est l'art en fait de faire de sa maison, donc du bâtiment, de son appartement, un lieu agréable, donc un havre de paix afin que toutes les personnes qui y vivent puissent se sentir à l'aise. Donc c'est un concept auquel je me suis frottée il y a quelques années, je pense que ça fait 2 ans. Et pour la petite histoire, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, moi je suis mère au foyer depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. Mais ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai vraiment accepté ce rôle-là, que je l'ai fait avec beaucoup plus de, on va dire avec beaucoup plus d'intentionnalité, parce qu'au début c'était vraiment par défaut. J'avais des problèmes de santé, j'étais seule avec mon enfant, je ne pouvais vraiment pas travailler à côté. Mais après, ce qui était pour moi une obligation s'est révélé être quelque chose de complètement naturel, quelque chose que j'ai apprécié et je continue d'être mère au foyer aujourd'hui, ainsi que créatrice de contenu, donc entrepreneur aussi. Donc le homemaking, c'est un concept auquel je me suis frottée parce que j'aimais beaucoup lire en fait, j'aime beaucoup d'ailleurs la femme du proverbe 31. Bon, je suis chrétienne, hein, donc la femme du proverbe 31, c'est une femme qu'on décrit dans la Bible avec beaucoup de qualités en fait, notamment en ce qui concerne la gestion familiale. Donc vraiment, moi je me suis vraiment penchée dessus et aujourd'hui le homemaking, c'est un mot anglais, hein, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi et je pense que ma mission dans ma maison, c'est de vraiment créer ce havre de paix là. Je pense que c'est ce que Dieu m'a mis comme mission. Et dans cette vision en fait de créer un havre de paix, il y a tout ce qu'on peut appeler corvée, comme le ménage, comme la cuisine, etc. etc. Mais dès lors qu'on le fait avec un cœur différent, avec un cœur de service, avec un cœur pour les autres, pour les membres de sa famille, donc son mari et ses enfants, ça devient vraiment du homemaking. Donc c'est plus juste faire des tâches, ce n'est plus juste faire des corvées, c'est vraiment y mettre son cœur en fait pour faire les choses différemment. Et aujourd'hui je voulais juste introduire cette vidéo avec ça parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est quelque chose qui m'a appris à vraiment devenir en tout cas celle que je pense que Dieu m'appelle à être cette mère qui est vraiment aimante, qui fait le maximum en tout cas dans la mesure du possible pour mes enfants, cette épouse là qui est vraiment respectueuse. En tout cas j'essaie, je suis pas du tout arrivée, j'ai encore tellement de choses à régler, mais franchement voilà. Donc je voulais juste que tu m'accompagnes dans cette journée de homemaking où je suis restée à la maison. Enfin, après avoir fait les courses à l'extérieur, je suis rentrée et j'étais vraiment à 90% dans ma cuisine du matin au soir. Donc quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, on était vraiment, je pense, il était, on va dire, 11h au midi et jusqu'à 17h, 18h, en fait, j'étais encore en cuisine. Ça m'a fait du bien parce que actuellement, vraiment, la cuisine, c'est vraiment mon safe place, c'est un endroit que j'aime beaucoup, surtout depuis le décès de ma maman en mars dernier. J'aime beaucoup me retrouver dans ma cuisine toute seule, à vraiment prendre soin de ma maison, à faire de la pâtisserie, etc. Donc c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, le jour où j'ai tourné cette vidéo, c'était un mercredi et comme tous les mercredis, mon mari était en télétravail. Donc du coup, après avoir rangé mes provisions, j'ai commencé à préparer le repas du midi. En général, quand je suis toute seule, je ne mange pas le midi parce que tout simplement j'ai la flemme et j'ai pas forcément faim. Parce que moi, je prends parfois des petits déjeuners assez copieux, donc voilà, j'ai pas très très faim. Mais comme il était là, je me suis dit que j'allais tout simplement faire des pâtes au lardon. Bon, normalement, avant, on disait pâte à la carbonara, mais on m'a dit que la vraie carbonara, mais pas de crème fraîche, blablabla. Donc du coup, je vais juste dire pâte
au lardo. Donc c'est quelque chose de très simple et très facile à faire quand on n'a pas le temps. Donc voilà, il était déjà midi, donc je me suis dit allez, je vais faire ça. Et pendant que les pâtes étaient en train de cuire, j'ai commencé à préparer une salade de fruits, parce que vous avez vu, j'ai pris vraiment beaucoup de fruits, et pour éviter qu'il se gâte, en fait, je me suis dit allez, je vais faire des salades de fruits. Et pratiquement presque tous les jours je fais des salades, et les garçons en tout cas ils adorent, ils aiment beaucoup ça. Et du coup, qu'est-ce que je fais, je mets le gros bol au milieu et tout le monde mange dedans, et franchement ça fait très convivial. Tout le monde m'a dit que c'était super, même mon mari m'a dit ah, il aime beaucoup l'idée et tout. Donc voilà, du coup je me suis dit pour ce midi j'allais faire une belle salade de fruits, vraiment quelque chose de très très simple, hein, avec de la banane, des clémentines. Les saisons de clémentine a un peu commencé, donc il y avait de la clémentine, de la poire, des pommes, et voilà. Donc franchement, la salade était super simple, en même temps super super bonne. Donc en fait, l'un des aspects aussi du homemaking, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on donne à sa famille comme comme repas. Il y a l'alimentation dedans, et comme je dis, c'est vrai que ça se confond beaucoup avec toutes les tâches du quotidien, et c'est clair que parfois on ne pense pas toujours au making, en tout cas pour nous qui sommes dans cette vision de c'est une mission que Dieu nous a accordée dans notre maison, etc., en tant que maîtresse de maison. Mais c'est vrai que parfois on ne le voit pas toujours, parfois ce sont de vraies corvées, et c'est ok de ne pas toujours être au top, c'est ok de ne pas toujours apprécier cela. Mais franchement, en tout cas, j'essaie de le faire dans la mesure du possible, j'essaie d'apprécier cette grâce que j'ai d'être à la maison, parce que quand j'entends les femmes qui me rendent témoignage, qui m'écrivent un peu partout, je sais que ce n'est pas acquis en fait, et que beaucoup aimeraient être à la maison comme moi, mais n'ont pas cette possibilité là. Donc franchement, je bénis Dieu pour ça, et j'essaie de profiter, j'essaie de pas trop me plaindre, c'est vraiment mal barré, mais en tout cas je bénis Dieu en tout cas d'avoir cette opportunité là. Donc pour ma salade de fruits, je rajoute toujours un peu de citron et du miel, ça rajoute du goût, ça, et ça permet à la salade de pas être sèche. Donc franchement c'est super bon. Donc voilà, juste une cuillère à café de miel, on mélange tout ça, et j'ai réservé au frais le temps de préparer mes pâtes. Alors cuisiner les pâtes au lardon, franchement ça prend même pas 15 minutes. Le plus gros du travail en fait, c'est la cuisson des pâtes. Donc comme vous avez vu, moi je fais chauffer déjà de l'eau voilà dans le, je sais pas comment ça s'appelle, la bouilloire. Oui, je vais chauffer déjà de l'eau dans la bouilloire, et quand ça bouge, je me mets dans ma casserole, parce que ça réduit le temps en fait. Ça réduit le temps de cuisson, donc du coup voilà. Mais en général, en 30 minutes, les pâtes au lardon, elles sont prêtes en fait, et du coup c'est un repas très très rapide. Et voilà, c'est chaud, c'est bon, ça fait du bien à l'âme. Et puis avec notre petite salade de fruits que j'ai servie dans mes belles verrines que j'ai achetées du coup à Action. Donc après avoir mangé et avoir fait une petite pause quand même, je pense d'une heure ou d'une heure et demie, je me suis installée sur la table pour simplement faire un petit DIY. Donc je voulais tout simplement créer une boîte à recettes. Donc c'est vrai que j'ai un classeur pour mes recettes,
mais là, j'avais besoin d'une boîte pour que ça fasse un peu vintage. Vous savez, un peu les grands-mères, elles avaient des boîtes avec plein de papiers, avec des recettes, et c'est exactement ce que je voulais créer. Donc, quand je suis allée faire les courses le matin même, j'ai vu cette boîte. En fait, c'est les boîtes à sucre, en fait. Vous savez, on met les paquets de carreaux de sucre dedans, et c'est vrai que je cherchais ce genre de boîte-là, mais j'avais oublié que bah, c'est exactement ce qu'on utilise pour le sucre. Donc, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, elle est magnifique. Vraiment, elle était trop belle. Je l'ai achetée à 5 euros à peu près à Leclerc. Et je me suis dit, allez, je vais utiliser ma Cricut pour personnaliser le dessus. Ce qui est bien, c'est que le dessus était vraiment en couleur unie, vraiment super simple. Donc là, j'ai utilisé ma Cricut et j'ai écrit mes petites recettes et j'ai rajouté quelques fleurs pour le côté personnalisé. Et franchement, je peux pas dire que j'adore parce que voilà, mais j'aime énormément. Énormément, j'ai trouvé ça trop joli. Voilà, avec mes petites fiches et tout. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir cette petite boîte avec toutes mes recettes dedans plutôt que mon classeur parce que mon classeur parfois il est trop grand et j'ai pas assez de place quand je veux cuisiner, lire en même temps, ça le fait pas. Donc, voilà, mes petites recettes comme ça, je les ai écrites. En tout cas, j'ai écrit deux recettes, mais après, je vais essayer de toutes les transférer dans ma petite. Boîte à recettes et puis je suis trop 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 contente. Donc là j'étais en train de rédiger les recettes que j'allais utiliser, que j'allais faire du coup pour l'après-midi. Donc il y avait un gâteau citron et un banana bread. Donc c'est deux desserts au goûter que je voulais faire du coup pour le reste de la semaine. Et puis voilà, donc là on était vraiment dans l'après-midi et le but était de le faire vraiment avant que les enfants rentrent à la maison. Et pour me mettre un peu dans le mood, parce que là, vous savez, c'est l'automne, et puis le froid a vraiment commencé. Donc j'ai allumé ma petite bougie, donc ça m'a mis un peu dans un mood un peu cosy, et j'ai commencé à préparer mes deux gâteaux. Je vous mettrai les ingrédients dans la barre de description, je vous mettrai aussi les liens pour les recettes, dont la recette de banana bread, elle est sur mon blog, mais la recette du gâteau au citron, je l'ai prise avec une youtubeuse qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Cuisine avec mes filles. Donc elle a de très très bonnes recettes, pas chères et surtout très très bonnes. Donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous-même aller voir sa recette. Et puis voilà. Alors en général, lorsque je fais le banana bread, je le mets tout simplement dans mon moule à cake. Mais là, pour les garçons, je voulais faire des petits gâteaux comme ça. Voilà, parfois je change un peu. Donc j'ai mis tout simplement des caissettes dans mon moule et j'ai renversé. Voilà, donc j'ai renversé la préparation, mais bon, il y en avait une bonne moitié qui restait. Donc vous allez voir après que j'ai tout renversé dans un petit moule. Voilà, donc ça m'a fait on va dire deux groupes de gâteaux, je sais pas comment le dire, voilà, en tout cas, donc il y avait les petits et puis il y avait celui qui était dans le moule, donc voilà, les garçons, ils ont beaucoup aimé, en fait, vous allez le voir un peu plus tard, ils ont beaucoup aimé, vous savez, les petits gâteaux, ils aiment beaucoup ça, et voilà, j'ai un peu regretté à la cuisson qu'il n'est pas vraiment gonflé, comme quand on le met dans un moule à cake, mais franchement, les garçons, ils ont juste kiffé ça, en fait, ils ne se sont pas posé de questions, et franchement, c'est tout ce qui compte. Alors après avoir mis le banana bread au four, j'ai enchaîné avec la préparation du cake au citron. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingrédients, c'est basique, hein, la farine, le sucre, les œufs et de la crème fraîche, de la levure,
et surtout le zeste de citron. Voilà, donc c'est vraiment une recette très très simple. Et comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, refaire ça chez vous. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que je pense que votre famille va vraiment 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 aimer. Parce que chez nous, ça a été, voilà, ils ont vraiment dévoré ça en même pas 3 jours. Donc franchement, j'étais très 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 contente. Donc j'ai commencé par préparer tous mes ingrédients déjà dans des contenants là. Pour que voilà, après je n'ai jusqu'à mélanger et puis voilà, donc ça allait me faire un peu moins de fatigue. Et l'astuce que justement la youtubeuse de cuisine avec mes filles a donné pour le zeste de citron, j'ai trouvé cette astuce vraiment géniale, c'est de d'éplucher les citrons comme il fait après les avoir lavés bien sûr, les éplucher comme ça, comme si on pelait en fait des pommes de terre, et ensuite de les mettre dans un hachoir, et ça fait beaucoup de zeste, et j'ai trouvé ça tellement mais tellement génial. Tellement génial, en fait je l'ai fait rapidement parce qu'avant je râpais à chaque fois et il n'y avait pas assez, en fait c'est la deuxième ou la troisième fois que je fais un cake au citron et il n'y avait pas beaucoup de goût de citron, alors que là franchement le goût de citron il était là en fait. Donc j'ai haché, en parenthèse le hachoir il vient de Lidl, je sais pas trop s'il est toujours en stock, mais en tout cas je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 et j'ai haché, voilà ce que ça donne, c'est vraiment vraiment génial. En tout cas merci à elle pour cette belle astuce là. Et du coup j'ai mélangé une bonne cuillère de citron, enfin de zeste, avec mon sucre, voilà, pour que vraiment le sucre puisse s'imprégner, et c'est ça qui va faire aussi la différence en fait avec le goût. Donc tout le reste je vais le mettre tout simplement dans une poche de congélation et je le mettrai au congélateur, comme ça à chaque fois que j'en ai besoin pour une recette ou une autre je peux faire sortir, c'est déjà prêt. Franchement génial 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 cette astuce. Je n'avais même pas encore fait ma pâte à cake au citron que les petits gâteaux étaient déjà prêts. Et je vous laisse en fait écouter ce que les garçons en ont pensé. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Au revoir. Coucou tous tes gâteaux. J'ai très envie de manger. Vous voyez, leur réaction m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. J'étais trop contente parce que comme je vous ai dit, je me disais, mince, les gâteaux, ils n'ont pas bien gonflé. Est-ce que, etc. Mais les garçons, ils ont vraiment mangé. Ils ont vraiment aimé ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour ça, c'est pour ces petits moments de joie, c'est pour ces petits sourires, c'est pour ces petites étincelles dans les yeux quand les enfants ils voient ce que je fais au quotidien. Je disais à mon mari d'ailleurs tout à l'heure que je veux être connue pour être ce genre de maman-là. La maman, on sait qu'elle a toujours quelque chose de bon qui est au four en fait. La maman qui a une maison, qui sont toujours la vanille, qui sont toujours quelque chose de... une petite pâtisserie, etc. Mieux encore, je vais être cette grand-mère-là en fait, qu'on puisse dire... mes enfants puissent dire, oh, on va chez mamie Esther, franchement, elle a toujours quelque chose de bon à manger. Et voilà, ça c'est mon why, ça c'est mon pourquoi. C'est le souvenir en fait que je veux, entre autres, hein, évidemment, c'est le souvenir que je veux laisser dans le cœur de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, pourquoi pas. J'ai dit aussi à William que c'est la raison pour laquelle j'avais créé cette boîte en fait à recettes, parce que j'aimerais bien la passer à ma fille si j'en ai une un jour, ou alors à mes petites filles, ou à Mathis, parce que je sais qu'il aime la pâtisserie, ou à Yaël, etc. Et que bah, ça me ferait plaisir que mes recettes, celles que j'ai faites au cours de ma vie en fait, de maman, de mamie, etc., puisse perdurer dans la famille. Donc voilà, je sais que c'est un peu idéaliste comme vision, mais c'est quelque chose qui me plaît, c'est ce que je veux laisser en fait comme héritage, en tout cas entre autres. En tout cas, après la cuisson de mon gâteau au citron qui sentait super bon, j'ai piqué comme ça avec un cure-dent et j'ai mis le sirop. Donc je vous mettrai tous les liens, toutes les recettes en barre de description pour que vous puissiez le faire. Le sirop, il était super bon. Franchement, je l'ai bu comme ça parce que c'était trop trop bon. Et du coup, quand il a refroidi, j'ai mis un peu de sucre glace avec un petit cœur comme ça, un peu genre pochoir et tout. Et c'était juste la touche un peu mignonne, la touche, voilà, mignonne de mamie Esther. Et franchement, c'était une superbe journée. En tout cas, je ne vous ai pas montré la préparation du plat du soir parce que je me suis dit que la vidéo sera trop longue.
Ça sera pour une autre fois, mais en tout cas, merci d'avoir participé, enfin d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir participé à ma journée aussi, de m'avoir suivi dans cette belle journée. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.